aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors là, attention. Sur ce toto. Là, on est sur un véhicule, là, mon gars. Alors, c'est une diesel. BM diesel, comme vous pouvez le voir. Donc, on va tout de suite vous montrer le modèle. Un bon vieux 524, là. Voilà. Et que ça devrait. Donc, on va vous montrer le moteur. Donc, c'était les seuls E28 diesel qui existaient. Et c'était les premières série 5 diesel. Parce que les E12, il n'y avait pas de... Non, il n'y a pas de diesel. Là. On a qu'à dire que c'est normal. Alors là... Alors, 2 litres 4 turbo diesel. Moteur de camion, hein, finalement. Voilà, 115 chevaux. Batterie de camion. C'est marrant parce que tu vois... Oui, la batterie, non. Enfin, voilà, quoi. Moi, je dis ça, je dis rien. T'es mal à la gueule de la batterie, frérot. Une batterie normale, c'est censé faire ça, tu vois. Là, il y a ça, en plus. C'est les diesels. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a de plus? Un turbo de camion, à peu près, tu vois. Voilà. Alors, il existait les 524D, de environ 90 chevaux. Ce qui était encore plus de la merde. Voilà. Mais ça, par contre, c'est pas de la merde. Ça, moi, j'aime bien. C'était les deux modèles qu'il y avait en diesel dans les E28. Voilà, donc là, elle est sortie en quelle année, la 524D? Alors, la 524D est sortie en 83, sachant que... Les E28 sont sortis en 81. Les couleurs, celle-ci. Voilà, Delphine métallique. Ouais. Il y avait tout le temps l'autocollant sur toutes les BM. Hein. Et celle-ci est de 86. Mmh. C'est presque les dernières. Ouais. Bah, 88, les dernières E28. Ouais, vraiment les toutes dernières. Les toutes dernières. Après, il y a eu ces moteurs-là sur les E30 aussi. 3,24 TD. Ah oui, bah oui, oui. Donc alors, mais, il y a eu les phases 1 et les phases 2. Juste une phase 2. Alors les phases 2 sont apparues en 85, donc on peut les reconnaître à la... À la jupe avant. Jupe avant, comme... Qui est quand même différente. Qui est différente, là. Juste une petite photo. Ah oui, c'est pas pareil. Voilà. Donc, on la reconnaît aussi à l'intérieur, donc avec des nouveaux appuis-têtes. Avant, ils faisaient, ils faisaient comme ça. Là. Ouais, qui était beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà. Les panneaux de porte. Avant, ils étaient tous en... C'était pas du tissu, c'était d'une espèce de plastique, là, bizarre. Là. Et après, du coup, ils ont eu le tissu. Le tableau de bord un petit peu craquelé, mais ça, c'est pas grand-chose. Alors ça, c'est la maladie. Ouais, des E30, des E28, enfin tout ça. C'est pas top sur les BM. Donc, elles ont aussi existé en boîte auto. Ouais, bon, là c'est bon. C'est quand même mieux en boîte manuelle, on va pas se mentir. Oui, c'est mieux en boîte manuelle. Alors, on soit clair, un turbo diesel. Ouais, voilà. J'aime bien les jantes. Oui, les jantes. Il pouvait avoir aussi des enjoliveurs. Ouais, en plastique, là, ouais, ouais. Bon, la peinture, on se barre un peu sur le toit, le vernis se barre. 524 TD, hein. Oui, oui, c'est pas non plus. Une M5. Pas, on n'est pas sur une M5 E28 non voilà, plus. Voilà, exactement. On va peut-être faire un petit démarrage. Alors, il y a un petit temps de chauffe. Bon, là, elle est chaude. Ouais, donc voilà. Chauffe, hein. Bon, alors, attends, je te suis. Elle a les vitres électriques et les rétroviseurs électriques. Ok. Bon après c'était 86. Hein. Oui donc voilà quoi. Donc là le petit bouton vert, quand il s'éteint, c'est-à-dire que le préchauffage est terminé. Mm-hmm. Bon, là en l'occurrence, le préchauffage a été fait il y a 5 minutes. Donc, Puis le bruit j'aime beaucoup. Hein. On va voir, ça fume pas mal, regardez. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup, puis le bruit est très beau. Ouais. Pourtant c'est un diesel, je comprends pas, hein, mais voilà. Alors le bruit c'est un 6 cylindres. Alors, oui, alors c'est un 6 cylindres quand même. C'est pas un 4 cylindres diesel. Non, non, voilà. Là c'est bon, on est plus sur un bruit de 6 cylindres de camion que sur un XUD, on va dire. Bon, j'aime beaucoup. C'est très pratique hein, pour aller au bout. Ouais, bon, alors elle est pas parfaite. Hein, mais elle est parfaite nulle part. Non, mais ça va. Mais elle est entretenue. Elle est propre. Elle fonctionne super bien. Ah oui, elle est propre quoi. Donc, elle a combien de bornes celle-ci déjà? 349 000. Oui, le rodage n'est pas tout à fait commencé encore. Donc, voilà. Ouais. Des moteurs qui sont très fiables. On peut aller jusqu'à 700 000 km. Ouais, 1 million. Ah oui. Ah oui, petit problème qu'il y avait ces voitures, c'était le turbo qui est très 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 près de la culasse. Ouais, du coup ça chauffe. Du coup ça chauffe. Et les culasses après, bah. Sont mortes, le contour aussi qui arrête de marcher. Ah oui, problème, il y a un petit truc à l'intérieur, dans le compteur, qui fait que je crois que ça fond, un truc comme ça, du coup le contour marche plus. Là, la température non plus. Ah ouais,
Oui, d'accord. Ah oui, oui, bah oui, c'est normalement, chaud. Elle est chaude là. Il y a un truc qui casse dans le compteur et. Alors c'est une. On peut. Il y a des trucs qui s'achètent sur internet. Ouais. Pour réparer ça. Je crois que ça coûte 100 balles le petit truc quand même. Ah ouais, d'accord. Oui, bah à ce prix-là, il va arrêter de marcher, ouais, le compteur. Alors des fois. Alors c'était pas sur. C'était sur une autre 524 TV. Ouais. Une fois il s'est remis à fonctionner. Ah oui, d'accord. Et après il s'est arrêté. Ouais, voilà, bon, il y avait plein d'options qu'il pouvait avoir. Si intérieur cuir. Ouais. Ouais, il pouvait avoir l'intérieur cuir, il pouvait avoir les accoudoirs, il pouvait avoir la clim. Qui était beau. Je regrette un peu les appuis-têtes en forme de. Avec le U un peu là. Ouais, ils étaient. Faisaient un peu. Tu sais, il y avait un truc comme ça là, un peu là. Oui, tout ce beaucoup plus joli. Mais bon, on fera avec. On pouvait aussi avoir des essuie-phares. Ouais. Vous avez aussi ici des anti-brouillards. Ouais. Certaines qu'il y avait. Ouais. Juste une petite photo. Là, c'est juste des caches. Ouais. Non, en vrai, elle est propre, ça va. Ouh là là, elle est énervée. Putain. Oh, on est peut-être un peu en dessous. Elle fait patiner et tout. Non mais on est. T'as cru qu'on était à la kermesse, c'est ça? T'as cru qu'on était à la foire? Sûr, ah oui, d'accord. On est comme ça. Là. Le petit coude à la portière est présent. Ah ça, ouais. Oui, bah elle ne l'a pas, mais bon, écoute. Hein. Elle ne l'a pas. On peut pas tout demander non plus. Il n'a pas beaucoup d'options. Mais non, mais c'est pour la légèreté, Julien, mais la oui, sportivité. Voilà, exactement. Avec un diesel de litre 4, mais t'inquiète. Bon, allez, je te laisse faire. Attends, je la remets dans l'herbe, tu vois. Tu vas bien rester embourbé. Petit freinage. L'ABS, elle a l'ABS, non? Allez, alors Luc, bon, lui, il est très pro en conduite. Bah non, si c'est bien, comparé à moi. Bah j'aime tout. Un comptoir qui ne fonctionne pas. Ah oui, d'accord. Quoi? Ah, ça n'a rien à voir avec la 124. Hein. Oui, parce qu'on vient de tourner la vidéo sur la 124. Ouais, il pète tout, c'est nickel. Oui, alors, ça c'est aussi un truc des BM. C'est que bah, le pommeau, tu vois. Bah si tu veux l'enlever, bah tu peux. Donc on fait un autre tour si tu veux. Enfin, on fait un petit tour. Un petit tour. Voilà. Est-ce que Luc tu peux enlever le pommeau s'il te plaît? Attends, j'en mets la 3. Voilà. Et aussi ça tourne. Oh, remets-le, je vais remettre la 2. Alors ça n'a pas énormément de couple. Hein. Oui, voilà. C'est le petit truc. Ça c'est rien. Ce n'est rien.
Et bah on a pu conclure de l'essai bah, que c'est une voiture. C'était pas une voiture de sport. Tout à fait normal. Ouais, c'est juste une voiture. Diesel sportif, on va se faire insulter. Hein, voilà. Après, bon, je dis ça. Diesel sportif. Bah, t'as dit que c'était pas une voiture de sport. Ça veut dire que tu en attendais que c'était une voiture de sport. Ah bah non, parce que je sais très bien ce que c'est. Donc, bon. Voilà, mais je veux dire, c'est pas une voiture qui est. Si quelqu'un veut faire de la course, c'est pour ça qu'il faut prendre. Mais pour quelqu'un qui veut faire de la route, qui veut une voiture fiable, économique, parce que ça consomme pas beaucoup, hein. Bah c'est ça qu'il faut prendre quoi. Et qui veut pas des performances ultra vite, mais des performances normales. Et t'as quand même du style. Ah bah ok alors ça. Tu mets une petite ligne full tube et là c'est magnifique là. Quand tu vois les gens, tout ça, des appels de phare. C'est pas mal. C'est plutôt bien. Voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère si vous voulez que... d'autres présentations, il faut s'abonner, hein, comme d'habitude. On espère que ça vous aura plu, malgré que c'est pas l'essai le plus ouf de le plus fou de l'année, mais bon. C'est sûr, c'est pas une voiture qui est... on peut parler énormément parce que c'est une voiture de base. Oui, effectivement. Enfin, sans être une voiture de base. Quoi. Mais voilà, donc likez si vous avez aimé. Puis si vous n'avez pas aimé, vous likez quand même, tout simplement. Et puis vous vous abonnez, vous commentez, et puis c'est la fin de cette vidéo.